L'événement musical de l'année aura lieu ce vendredi 10 novembre 2023. La nouvelle édition des Energy Music Awards mettra à l'honneur les artistes de l'année. L'événement musical de l'année aura lieu ce vendredi 10 novembre 2023. La nouvelle édition des Energy Music Awards mettra à l'honneur les artistes de l'année. Après une cérémonie en 2022 marquée par l'absence de Nikos en raison d'une chute sur le plateau de la Star Academy, le présentateur phare de TF1 est de retour au Palais des Festivals de Cannes. Les artistes qui ont marqué ces derniers mois seront également présents, Juliette Armanet, Louane, Slimane, Vita, Vianney et Kenji Girac. Une star attirera particulièrement les regards, pour la première fois, Isabelle Adjani sera accueillie par Nikos le vendredi 10 novembre. Isabelle Adjani, l'artiste qui a récemment captivé les téléspectateurs dans le téléfilm Adieu Vinyle diffusé sur France 2, fera une apparition remarquée au 25e Energy Music Awards. Cet événement marquera une première pour l'émission de TF1, mais aussi pour l'actrice elle-même. Dans une interview accordée au Figaro, elle a avoué avoir reçu plusieurs propositions par le passé, notamment celle de Malik Djoudi pour un duo en direct, mais elle a toujours eu peur de se lancer. Contrairement à Mylène Farmer, Isabelle Adjani aspire à une réussite similaire et cette performance au Energy Music Awards pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour l'actrice. Lors de cette grande première, Isabelle Adjani ne sera pas seule sur scène. Elle sera accompagnée de Gaëtan Roussel, un autre artiste talentueux. Ensemble, ils interpréteront leur titre Les Courants d'air, extrait du deuxième album de l'actrice. Après des performances mémorables de Måneskin, qui a ouvert la cérémonie, et de Mika, la prestation d'Isabelle Adjani promet d'être l'un des moments forts de ses 25e Energy Music Awards. La présence d'Isabelle Adjani au Energy Music Awards est très attendue par les fans de l'actrice et les amateurs de musique. La présence d'Isabelle Adjani au Energy Music Awards est très attendue par les fans de l'actrice et les amateurs de musique. Sa voix magnifique et son talent indéniable suscitent beaucoup d'enthousiasme et d'anticipation. Cette performance en duo avec Gaëtan Roussel promet d'être à la hauteur des attentes, offrant aux spectateurs une expérience musicale unique et émouvante. Isabelle Adjani est considérée comme l'une des plus grandes actrices françaises de tous les temps. Sa présence au Energy Music Awards est une reconnaissance de son talent et de sa contribution exceptionnelle à l'industrie du divertissement. En interprétant les courants d'air en direct, elle montre une fois de plus son courage et sa volonté de se surpasser. Cette performance marque une étape importante dans sa carrière et pourrait ouvrir de nouvelles opportunités dans le domaine de la musique. Les 25e Energy Music Awards s'annoncent comme une soirée mémorable, avec la présence d'Isabelle Adjani et de nombreux autres artistes talentueux. Les passages de Måneskin et de Mika ont déjà captivé le public, et la performance d'Isabelle Adjani ajoutera certainement une touche spéciale à cet événement musical de l'année. Les fans de l'actrice et de la musique en général ont hâte de la voir sur scène, partageant son talent et son émotion avec le monde entier. Isabelle Adjani se prépare à une première exceptionnelle au Energy Music Awards. Après des années de succès dans le cinéma, elle se lance dans une nouvelle aventure musicale avec son album Bande Originale. La performance en duo avec Gaëtan Roussel sera sans aucun doute un moment fort de la soirée. Et les amateurs de musique attendent avec impatience de voir Isabelle Adjani briller sur scène et de découvrir sa voix magnifique dans une toute nouvelle dimension.
Les Energy Music Awards 2023 promettent une soirée inoubliable, célébrant les artistes de l'année et offrant au public des moments musicaux exceptionnels.